Je vais essayer encore une fois. Bonne chance, ma chérie. Maman, qu'est-ce qu'il y a, chérie? J'ai besoin d'aller au magasin pour acheter des affaires personnelles. D'accord? Non, 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 Catalina. Non, tu n'as pas besoin de sortir, je peux passer une commande par téléphone. On va me livrer mes tampons à domicile. Oui, avec ce qu'on va commander avec ton père. Dans ce cas, maman, tout le quartier va être mis au courant que toutes les deux, nous avons nos règles. Le type qui s'occupe des livraisons va mettre en évidence nos achats partout en ville, maman. Ne te mets pas dans cet état, ça n'arrivera pas, le coursier a été remplacé, maintenant c'est... un jeune homme vraiment gentil, une très bonne personne, le fils de Madame Bayona. Tu ne veux toujours pas que je franchisse cette ligne, n'est-ce pas? Eh bien, je crois que je suis à bout, maman. Je ne sais pas si je vais pouvoir le supporter plus longtemps. La livraison! Ah! Eh bien, dis-moi, la livraison n'a pas tardé cette fois. Pardon? Tu es venu rapidement? Tu es venu en volant? Ah oui, oui, oui. En volant, oui. Ah. La voilà, votre commande, madame. Et comment est-ce que tu t'appelles? Hernan Dario. Ah, oui, très bien, et quoi que vous vouliez, madame, nous serons toujours prêts à vous le livrer. Très bien, et tu as tout amené? Oui, il y a tout dedans, madame, ça fait 15 000 pesos. Ah, Catalina! Oui, maman? Passe-moi l'argent qui est rangé, tu sais, dans le deuxième tiroir. Mais dis-moi, tu seras toujours aussi rapide? Oui, oui, c'est mon vélo à moi. Ah, je me déplace. Très bien. Avec tout. J'espère que tu ne seras pas comme les nouveaux balais qui ne marchent pas. Non, 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 non. Je serai toujours comme ça. Tiens, Catalina, donne vite au jeune homme ici. Combien est-ce que tu m'as dit? C'est 12? C'est 15. Oui, 15. C'est 15 000 pesos. Désormais, tu n'auras plus jamais à sortir, ni même avec nous, tu te rends compte? Tu n'auras qu'à téléphoner. Et ce jeune homme ici, qui s'appelle Herman Dario, viendra et t'amènera les 15 choses. 15 000. 15 000? Oui. Très bien. Merci beaucoup. Eh, tu ne me rends pas la monnaie? Ah. Si, alors, je suis bête. Non, tu sais quoi, tu peux tout garder. Oui, tu peux la garder. Ah, c'est chouette de votre part. Très bien, merci beaucoup. Dieu vous le rendra. Oui. Ah, au fait, j'ai ici un aimant pour votre frigo. Vous pouvez le mettre dessus, comme ça vous aurez toujours mon téléphone noté dessus. Et quoi que vous ayez besoin, 24 heures sur 24, je viendrai comme aujourd'hui, tout de suite. Dieu vous le rendra, madame. Oui. Merci beaucoup. À très bientôt. Eh, hey, n'oublie quand même pas ton vélo. Non. N'oubliez pas le numéro de téléphone et quoi d'accord. que ce soit, appelez-moi, d'accord? Ciao. Est-ce que tu as vu, Catalina? La bande jaune est maintenant comme neuve. Et tu le sais, ma chérie. Tu sais bien que si tu devais franchir cette bande jaune un jour toute seule, il pourrait t'arriver malheur. On me vendra de la drogue, maman. Je croiserai aussi des dealers? Ou je me ferai embarquer par une secte satanique ou par un gang de malfaiteurs, maman? Tu me l'as juste répété toute ma vie. Tu sais ce que tu ne m'as pas dit. Pourquoi? Pourquoi tu ne me laisses pas aller jouer là-bas au parc comme tous les enfants du quartier? Pourquoi? Parce que tu es encore toute petite, Catalina. Parce que je veux surtout qu'il ne t'arrive rien de mal, parce que je ne veux pas qu'on te fasse de mal. Encore petite, maman? Encore petite, regarde-le, lui. Regarde-le, il est plus jeune que moi. Qui est-ce qui lui fait du mal, maman? Personne. Et regarde-la, elle. Regarde-la, elle a le même âge que moi, tu sais, le même âge que moi, et regarde-la. Elle conduit déjà sa voiture toute seule. Et moi, tu ne me laisses même pas monter sur un vélo. Tu ne me laisses pas acheter des choses personnelles, tu ne me laisses pas aller seule au magasin. Je ne comprends pas.